Je vais donc passer la parole maintenant aux enfants de la classe de CM2. J'ose à peine regarder maman. Elle se tient debout, le cœur cassé, le corps droit drapé de sa robe de deuil noir. Ni mes sœurs ni moi n'osons la toucher. Nos douleurs de femmes se confondent. Une dernière fois, j'attends, comme toute la famille, avec le village rassemblé, la dépouille de Louis qui nous revient enfin après 8 interminables années d'attente insupportable. Mes souvenirs se bousculent. Mon frère Louis triomphait de toute sa jeunesse quand il est parti à la guerre. Du haut de ses 20 ans, il se voulait libre, fier, maître de son destin. Il se croyait immortel. Père l'a regardé quand il a franchi le seuil de la maison. Le visage fermé, les lèvres closes. Maman, ma tendre gentille, l'a serré dans ses bras, l'étreignant, posant doucement sa joue contre celle de son enfant, comme pour arrêter le temps. Après l'engagement de Louis et son cruel départ sur le continent, toute la famille a appris à vivre au rythme des courriers, envoyés, reçus, lus, relus. Nous repensions inlassablement aux petits mots grattés sur un mauvais papier. Le soldat Louis donnait de ses nouvelles. Les déplacements, les camarades, la nourriture, l'arrivée au front d'Alsace, les premiers coups de canon. Et puis, ce terrible jour du 20 août 1914, les bavardages de la vie s'arrêtent. Louis aurait, comme nous l'apprenons, officiellement par le ministère de la guerre, disparu. Disparu, le mot me hante. Louis est-il perdu dans un pays ennemi? Louis est-il dans un camp allemand? Louis est-il couché parmi des morts dans un trou d'obus? C'est mon goût de vivre qui s'écoule dans le flot de mes pleurs. Père n'a plus son fils unique. En une année, père se laisse mourir. Quand le corps de notre Louis sera-t-il rendu? Quand ces pauvres restes reposeront-ils dans les caveaux familiales, dans le sol corse qu'il a vu naître? Maman entame les démarches administratives dès 1920, une fois que la loi a autorisé la restitution des morts auprès des familles. Il a fallu attendre, attendre à n'en plus respirer. Accord du service des sépultures militaires en 1921. Puis transfert du corps plus d'un an plus tard. Aujourd'hui, enfin, Louis nous revient. Mon frère fidèlement pleuré est là. Le soleil ardent caresse son cercueil et la mer berce notre chagrin. Mon Louis, tu es entouré de ta mère, de tes sœurs et du cercle des villageois rassemblés devant l'église. La voix de notre mère, Monsieur Canal, s'élève dans le silence. La France parle par sa bouche et rend hommage à l'enfant de la commune sacrifié parmi tant d'hommes de l'île. La patrie est une autre mère. Elle remercie le jeune combattant courageux de 20 ans qui a généreusement donné sa vie pour le salut de la nation. Maman tremble. Je lui prends la main. Dans nos regards brillants d'amour surgit le sourire radieux de Louis enfant, jouant sur cette même place à l'ombre de la maison familiale. Je vais maintenant vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mireles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur. De 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins.
les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec eux, ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali. Le maréchal des logis, chef Adrien Quélin, et le brigadier, chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde est convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devrait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2002, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Donc cette cérémonie touche à la fin. Je tiens avant tout à remercier donc pour leur présence. Donc, Monsieur le Président de la Communauté de Communes et Conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les passeurs de mémoire, la Concorde terrassonnaise, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, les représentants de la gendarmerie, les instituteurs et les enfants, de la classe de CM2 notamment, les représentants de les associations, et vous tous, merci de votre présence à cette cérémonie. Je voudrais aussi vous donner une information. Donc, il y a aujourd'hui une exposition temporaire sur la Grande Guerre au musée de l'Industrie, qui est ouverte de 10h à 12h. Et cette exposition sera également ouverte tous les samedis du mois de novembre, de 14h30 à 17h30. Merci à tous et bonne journée.